Catalabaraba, Rabananda Libracuta, Shedege de Bos, Rima Canta Labarada Bos, Shedege de Brasuta Rabaha, Shedaga da Brados Quinta Labahaya, Rina Mama Sunta Labria Cataha, Shinda Labaha, Libra da Sunta Labahaye, Leke Terebros Quinta Labashada Babaha, Rina Masunta Labria Catahandele de Bos, Rima Mahaya and Delebrosha Daba. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ok, gloire à Dieu. Amen. 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 Bon, petit incident technique, mais ça fait que beaucoup sont hors de la salle là. Ils reviennent. Oh oui. D'accord. Amen, amen. 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 Voilà, on avait lu Genèse 32, 30. OK. Et puis donc, je suis en train de faire maintenant l'explication. Amen. Alors, je disais que Dieu donne une information qui est très importante pour dire à Jérémie qu'il lui a donné le pouvoir d'arracher, de planter, en fait, le pouvoir de faire ce que nous allons apprendre, comment on va traiter, un intercesseur va traiter avec les songes et les visions. Amen. Donc, amen. Comment tu vas traiter avec les songes et les visions de dévoilement? C'est-à-dire quand tu viens te le montrer, bon, il y a des auteurs dans la maison de ton père, etc. Il y a plusieurs causes qui peuvent entraîner des blocages dans la vie d'une personne. Vous avez des démons, vous avez de l'idolâtrie, vous avez des malédictions aussi. N'oubliez pas les malédictions. OK? Amen. Qui travaillent. OK? Face à une malédiction, il faut que vous puissiez bénir. Face à une malédiction, il faut que vous puissiez bénir. Alors, j'ai déjà expliqué longuement la différence entre les malédictions, les envoûtements, tout ça. Mais pour que tu saches généralement, donc, un envoûtement ou un lien démoniaque peut produire les mêmes effets qu'une malédiction. Donc, quelquefois, dans la forme pratique, les malédictions, les liens démoniaques se ressemblent. Certaines personnes, par exemple, sont liées à la pauvreté parce qu'il y a eu un envoûtement, il y a eu une alliance, il y a eu un hôtel, il y a eu quelque chose qui a été bâti. Alors, quand c'est un hôtel ou c'est un démon qui a été invoqué, c'est un lien totalement mystique et il va être brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a un démon qui a fait ça. Donc, la prière peut venir. Lorsqu'on a affaire à une malédiction, qui peut produire donc une malédiction de célibat, une malédiction de stérilité, la position sur la tour te donne de pour commencer à discerner d'où vient le problème. OK? Amen. Alors, il faut me rappeler, parce que c'est plus qu'il faut noter, comment un songe, de dévoilement peut vous expliquer, peut faire la différence entre ce qui est sujet à une malédiction et ce qui est sujet à un lien démoniaque. D'accord, pasteur. Voilà. Donc, dans les liens démoniaques, vous avez des hôtels qui crient. Les parents ont bâti un hôtel qui crient contre toi. Ça, c'est démoniaque. Il y a des envoûtements. C'est-à-dire, ce sont des sorts. Ce n'est pas des hôtels, mais c'est quelqu'un qui a jeté un sort. C'est quelqu'un qui a jeté un sort. Et puis, après ces gens de démoniaques-là, il y a ce qu'on appelle les vraies malédictions. Les malédictions, c'est une condamnation qui a été prononcée par une voix d'autorité et souvent même par Dieu lui-même, dont Satan va se servir. Par exemple, dans la parole de Dieu où il est dit, inscris cette famille comme privée de descendants. Ce qui fait que la famille n'a pas d'enfants, ou les gens ne peuvent pas régner, ou les gens sont attachés à la pauvreté, c'est une condamnation de Dieu. Parce que certaines choses ont été commises. Donc, si tu arrives des siècles après, ou des années plus tard, et que tu te rends compte qu'un des descendants de cette famille-là a des sérieux problèmes pour pouvoir faire de la richesse, réussir ses entreprises,
Quand tu vas prier pour dire, Seigneur, mais dévoile-moi pourquoi cette personne est bloquée, Dieu peut te montrer un peu comme ce qu'il a fait dans le cas de David. La Bible dit qu'il y avait une famine qui frappait Israël depuis un certain moment. Et David a cherché la face de Dieu. Donc, il est monté sur la tour, en quelque sorte. Et Dieu lui a dit d'où venait le problème. Dieu lui dit, en fait, le peuple qui sont là, qu'on appelle les Rechabites, Israël avait une alliance avec eux. Et Saül, de son temps, a déshonoré cette alliance et il a massacré ce peuple. C'est la raison pour laquelle Israël est frappé de cette période de haute famine. Une autre fois, Israël a eu d'autres problèmes. Dieu lui a montré qu'il y avait un ange qui était en train de tendre la main et qui envoyait une peste. Pourquoi? Parce que Dieu avait appliqué un jugement dans ce sens que David avait eu un mauvais comportement, un comportement d'orgueil. Donc, vous voyez que la famine, les maladies peuvent avoir différentes sources. Monter sur la tour vous permet d'aller discerner. Dieu va vous parler par des songes, par des visions, et vous allez savoir pourquoi cette famille-là est sujet à tel problème. Est-ce que c'est d'une origine de malédiction? Est-ce que c'est d'une origine d'envoûtement? Est-ce que c'est l'origine par un autel? Quelle que soit la forme, il faut que vous soyez sur votre position établie pour traiter avec le problème. Si c'est une malédiction, il faut traiter avec Dieu, mais trouver la bénédiction que vous allez libérer pour venir atténuer ou contrer ou dévier la malédiction qui a été prononcée. Mais il faut que tu sois au-dessus parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. 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 Deuxième chose, notez très bien cela avant que je termine pour aujourd'hui. Si c'est un autel bâti dans la maison de ton père, il faut que investi de la puissance de Dieu, comme Gédéon, tu ailles spirituellement dans cet endroit-là et que tu arraches et que tu plantes l'autel de Dieu. Oui. Donc, quelle que soit la situation, il faut que tu prennes ta position. Alors, pour que Jérémie puisse prendre la position et aller arracher ce qui devait être arraché, renverser les faux fondements, pour qu'il fasse cela, Dieu va lui donner une information très importante sur son appel. Notez très bien. Il dit à Jérémie, « Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations, je t'avais établi prophète, je t'avais consacré. » Il dit, « Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. » Ce que je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, c'est que ta position spirituelle est une chose qui vient avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman. Amen. Ton appel, la raison pour laquelle tu as le fardeau de ta famille, tu es là à 2h du matin en train de m'écouter, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est sur ta vie qui date avant ta naissance. Amen. Amen. C'est pourquoi au Canada, j'ai appelé cela le repositionnement. Que Dieu te positionne, tu sais ce qu'il dit. Il dit, avant que tu ne naisses, je t'avais établi. Et vous voyez ce cas avec le deuxième passage qu'on a lu relatif à Jean-Baptiste. Rebecca n'était même pas encore enceinte que Dieu, par son ange, est venu dire à Zacharie, ta femme va tomber enceinte, ta prière est exaucée, ta femme va tomber enceinte. Et Dieu va donner même la feuille de route. Il dit, l'enfant va s'appeler Jean. Il va ramener le cœur des pères vers les fils, le cœur des fils vers les pères. Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, vous voyez que avant même que Jean ne soit formé, avant même que Élisabeth ne tombe enceinte, Dieu connaissait déjà l'arrivée de la personne et sa feuille de route était établie. Et c'est la chose qu'il dit à Jérémie. C'est la chose qu'il dit à Jérémie. Je te connaissais avant. Donc, l'établissement spirituel, c'est-à-dire que chaque fois, et Jean-Baptiste comme Jérémie, et tous les autres, on a beaucoup de cas, comme ce fut même le cas de Jacob, tous ceux qui ont suivi le MS, là, je l'ai expliqué. Ils étaient dans le ventre de leur mère quand Dieu est venu dire
que les deux enfants que porte Rebecca sont deux nations. Et il y a une des nations qui sera assujettie, c'est-à-dire que la nation représentée par Jacob allait être élevée au-dessus de la nation d'Ésaü. Donc, l'établissement spirituel pour guérir, délivrer ta famille date avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Amen. C'est quelque chose Amen. Qui date. Pourquoi ça date d'avant? Parce que si aujourd'hui tu es intéressé à ce message, la vérité c'est que tu as vu le problème de ta famille. Tu as vu les liens de malédiction qui frappent ta famille. J'ai vu des gens qui ont écrit. Il dit, pasteur, de ma famille à la pauvreté. Les gens n'arrivent pas à se marier. Dieu a vu la souffrance et Dieu t'a envoyé. Il t'a préparé d'avance. Il dit, ah, voici la famille tant est confrontée à tel ou tel problème. Je vais envoyer ma fille. Je vais la oindre comme intercesseuse. Et il va positionner tes différents niveaux spirituels avant de t'envoyer, te formater, d'être formé dans le sein de tes parents et naître. OK? Amen. Mais cette formation-là sera sujet à un grand combat. L'ennemi va tout faire pour t'éliminer et c'est là qu'intervient le gélec contre ta vie. C'est là qu'il intervient contre ta vie. Mais dans le nom de Jésus, vendredi prochain, par la grâce de Dieu, amen. 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 Dieu va te repositionner. Amen. C'est vraiment prophétique important parce que de ta position spirituelle va dépendre le remplacement des années volées. Amen. 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 Et cette position-là ne vient pas parce que tu es en train d'écouter parce que ça nous est en train de prêcher. Jacob, pour pouvoir exercer son appel, Dieu avait dit que c'est une grande nation devant laquelle les autres vont se procéder. Mais pour qu'il fasse ça, Genèse 32, 30. Jacob dit, son âme était perdue. Perdue par l'identité. Lorsqu'il a été formé, lorsqu'il est né, on lui a donné l'identité de Jacob. Mais par une nuit à Péniel, Jacob va voir Dieu face à face et va dire, mon âme a été sauvée. Amen. A été sauvée. Et c'est là que, à partir de cet instant, que Jacob va porter le nom d'Israël. Donc, il sera positionné, établi dans la posture spirituelle d'autorité que Dieu l'avait prévu, Dieu avait prévu à l'origine. Dieu a vu la souffrance de ta nation. Dieu a vu la souffrance de ta famille. Dieu a vu la souffrance des personnes autour de toi. Et Dieu t'a choisi, toi qui me suis. Avant Amen. Que tu sois formé, il t'a établi au-dessus de cette famille, au-dessus de ce pays, pour que tu arraches et que tu plantes. Amen. Que tu détruis ce qui doit être détruit et que tu bâtisses. Chacun d'entre vous qui me suit a un plan d'établissement. Mais tu n'en es pas conscient jusqu'à ce que Dieu vienne manifester ton appel. Et c'est dans cette atmosphère-là que je serai pour révéler et la manifestation de ton appel. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Amen. On va Amen. Prier le Seigneur Jésus par rapport à cela. Tu vas dire, Père, tu me connais. Tu me connais avant que je sois formé dans le ventre de ma mère. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. En fait, je vais dire à quelqu'un que le gélec, lui vient voler ta position spirituelle. Le gélec, son rôle, c'est de voler toi ta position. Que tu restes toujours un enfant. Je vous ai dit que le gélec, il attaque l'embryon, il attaque les enfants. Donc quand Jérémie dit, Dieu dit, il ne faut plus dire je suis un enfant. Soit pour que tu restes un enfant, soit pour que tu manques d'assurance même totalement dans ce que tu veux faire avec toi. Tant tu seras repositionné, l'assurance sera plus ferme. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et cette position-là date d'avant. Amen. Tu vas Amen. Prier. Tu vas dire, Père, toi qui me connais, toi qui m'as établi. Donc, il faut savoir que ce n'est pas une affaire de maintenant. Dieu a vu les problèmes et il dit, hey, qui je cherche, et puis il t'a trouvé. Non, il t'a trouvé avant. Amen. Amen. Il y a longtemps qu'il t'a trouvé, il y a longtemps qu'il l'a prévu. Et c'est par rapport à cela que le gélec va tenter de t'éliminer, de te faire perdre confiance et va te faire perdre de nombreuses années.
On va prier le Seigneur Jésus. Et tu vas prier Dieu. Tu vas prier le Seigneur. Brunda rabakata rababrus. Brikata rababrada soru barala clarianta brada se. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La première des choses par laquelle on est rétabli dans sa position, c'est la conversion. Éphésiens 2, 10 dit. Éphésiens 2, 10. Donald, tu peux l'afficher. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. 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 Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire, Dieu a préparé ce que tu dois faire avant même ta naissance. Afin que tu Amen. Amen. Mais ta position d'avance là, elle est repositionnée parce que tu es né de nouveau en Christ. C'est-à-dire, Dieu ayant été créé en Jésus-Christ. C'est pourquoi, si quelqu'un me suit, je termine avec ça, tu vas, si tu n'es pas converti, tu n'es pas une nouvelle créature, tu ne peux pas pratiquer les œuvres que Dieu a prévues que tu fasses d'avance. Si tu ne viens pas à Jésus, tu vas faire les œuvres que ton intelligence, que ton éducation, que ton école t'a amené à faire. Mais si tu te convertis, tu commences à prendre le chemin par lequel tu sauras ce pourquoi, les pratiques, les œuvres pour lesquelles tu t'es appelé avant la fondation dans le sein de tes parents. Alors, si tu me suis, tu es en ligne, tu es en direct, que tu n'es pas né de nouveau, fais la prière du salut. À l'instant où je pars, dis au Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je crois, Jésus, que tu es mort pour moi. Aujourd'hui, je prends la décision de te donner ma vie, de marcher avec toi, de te suivre et de te servir. Car tu es mort pour moi et moi aussi, je donne ma vie pour toi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je lis un rêve, un songe de dévoilement. Le premier songe, si vous l'avez pour la future aussi. J'ai rêvé que je retournais dans ma ville natale dans un taxi. Et arrivé sur place avec mes enfants, le chauffeur de taxi a mis mes valises dans une autre voiture qui attendait à la station de la gare routière. Et le temps que je me rende compte, il avait démarré et fui avec mes valises. Je me suis mise à crier car je me disais dans le rêve qu'il a volé ma vie entière. Mais je pleurais beaucoup plus mes enseignements bibliques. Mais je pleurais beaucoup plus mes enseignements bibliques qui étaient dans des cahiers. Et je me suis mise à prier et je ne sais pas par quel miracle le chauffeur est revenu garer sa voiture. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Alors, Amen. Amen. Que j'ai reçu dans la liste des songes et des visions. Vous voyez dans ce rêve que Dieu, ça c'est quelqu'un qui a mené un combat de victoire dans le rêve. Alors voici ce que le rêve signifie. Un, il s'est vu retourner dans son, sa ville natale. Donc il se revoit repartir en arrière. On sait déjà qu'il s'agit d'un songe de dévoilement. OK? Il était dans un taxi et arrivé sur place avec mes enfants. Le chauffeur de taxi a mis mes valises dans une autre voiture qui attendait à la station de la gare routière.
Alors, ce que je comprends, la personne qui a dit ça, sûrement qu'à un moment donné de ta vie, ton papa t'a confié à un tuteur, ou tu étais mis en tout cas, quelqu'un qui a eu une gestion ponctuelle de ta vie, soit un instituteur, un enseignant ou un tuteur chez lequel tu as été confié par ton papa, d'une manière ou d'une autre, a abusé de toi. Pas forcément sexuellement, mais peut-être volé l'estime de toi. Ta valise, ce sont tes effets. Et la personne dit, il pleurait parce que dans les valises prises, il y avait des cours bibliques. Alors, je n'ai pas de détails, mais il est fort probable que la personne qui a écrit ce songe a même grandi dans un environnement spirituel où elle avait un background spirituel. Mais le drame qui s'est produit chez une personne à qui on t'avait confié afin que même tes compréhensions de la parole de Dieu, tu n'as pas pu les utiliser. Tu as été comme brisé même dans ton utilisation de la parole de Dieu. D'où les versets bibliques étaient dans la voiture. Les textes de ta formation étaient dans la voiture, dans la valise qui a été prise. Donc, le drame que tu as connu t'a fait perdre tes ressources et tes moyens spirituels pour faire face aux défis. Mais tu as vu dans le rêve que quand tu t'es mis à prier, le chauffeur a ramené. Alors, la fin du rêve annonce la victoire. Vendredi prochain, je vais expliquer que de ta position, où tu veux, si tu veux savoir arracher, il faut aller voir d'abord le futur. C'est-à-dire, quand tu es sur le palier de la tour, il faut aller regarder devant avant de bien revenir derrière pour orienter ton combat. Amen. Amen. Donc, tu as prié dans le rêve et Dieu a ramené. Alors, Dieu t'annonce que par la prière, par la consécration, toutes les années que le Gélec a volé, le drame que tu as connu, ta formation biblique qui a été comme balayée par ces événements, Dieu les ramène. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vendredi prochain, j'essaierai de prendre plus de songes et de visions pour donner les instructions et prier. Donc, j'invite ce frère ou cette sœur qui a amené ces songes et cette relation de prendre le temps et de prier selon ce qu'a dit Dieu et d'être patient, mais de maintenir la prière. Et tu vas voir que des trésors que tu avais dans ton passé vont te revenir multipliés par 7. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Merci Père pour ta grâce. Merci pour le positionnement spirituel. Merci pour le repositionnement spirituel. Merci pour chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, concernant les nations, je n'ai pas su localiser la date sur la Côte d'Ivoire. Une confusion à cause du départ de quelqu'un de puissant, d'élevé. Une confusion. Confusion parce que le berger étant frappé, les brebis se dispersent. Braille de l'ere, braille à côté, robo brodos, l'orienta bradas, sarabara lakin. Re katarianda bradas, l'orienta bradas, l'orienta brad. Rabakata rababradas, l'orienta. Mais Dieu dit à toi, Côte d'Ivoire, je suis avec toi. Ne crains pas. Ne crains point. Je suis avec toi. Voilà. Donc, ce qui va vouloir effrayer, prière 24, nous prions pour que la paix de Dieu soit là. Cette année, l'année prochaine, mais le départ d'une personnalité importante va semer de la confusion. Mais Dieu nous dit de ne pas avoir peur, qu'il va nous garder et que les desseins ne s'accompliront pas. Amen. Gardons cela et nous en prière. Toute tentative
Depuis là, vous savez, on a prié et nos prières ont paralysé des tentatives de coup d'État. Et elles sont encore pressantes. Et nous devons tout plan. Si ce plan satanique va mettre le pays dans la confusion, je vois la RCA, la République centrafricaine, des pays menacés, le Mali, le Burkina. Et mon esprit va vers l'Afrique de l'Est. Je vois comme un tourbillon. Un tourbillon sur une nation. Comme une période de confusion. En Afrique, vers la corne. Vers la corne. Mais je n'ai pas pour le moment dit le nom. Pour ce qui concerne les nations dont j'ai parlé, en ce qui concerne le plus tard, nous devons prier que les projets, les desseins de l'ennemi soient annulés et que seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Amen. 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 Que tout projet de sang versé soit annulé. Amen. Soit annulé. Et que la paix de Dieu soit là. Amen. Et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui est des nations de l'Ukraine, prions. L'ennemi dans cette grande offensive que les pays annoncent contre la Russie, il y a grand risque d'un embrasement ou de conséquences de radiation d'armes qui vont semer la zizanie au niveau de l'Europe. Prions Dieu afin que la paix de Dieu soit manifestée. Amen. Et que le dessein de destruction de ténèbres n'est pas défait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions Dieu pour paralyser les yeux des ténèbres et que le règne de Christ soit manifesté. Amen. 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 Pourquoi l'ennemi combat ses nations? N'ayez pas peur. Rien n'empêchera l'Afrique de l'Ouest, le Burkina, d'entrer dans sa destinée. Amen. Amen. Et je dis à mes frères du Burkina, cette période tendue s'arrête. Les larmes de ceux qui ont coulé sont consolées. Burkina, Dieu t'élève de la poussière et te fera asseoir au sommet. Amen. Mali, Dieu te prend de la poussière et te fait asseoir au sommet. Amen. Tu souffres dans tes entrailles. Tu as ouvert des portes. Mais dans sa grâce et dans sa miséricorde, Dieu vous prend de la poussière et vous amène au sommet. Amen. Nous, RCA, tu seras appelé le réservoir de la richesse de l'Afrique. Amen. Le réservoir de la richesse de l'Afrique. On a vu la richesse en RDC. Mais le monde ne l'a pas encore vu. La grâce que tu as déposée. RCA, jusqu'à aujourd'hui, Dieu a aveuglé. Les gens savent quelque chose, mais Dieu les a aveuglés. Ton pays va rentrer dans la paix de Dieu. Amen. Et Dieu va prévenir les fils et les filles de cette nation afin que la richesse de la RCA ne soit pas donnée à d'autres peuples, mais que les fils et les filles à qui Dieu a donné cette nation puissent jouir des fruits de leur territoire. Je prophétise que prions pour que les nations, je parle du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire et de ces pays, que les peuples soient travailleurs. Nous devons prier parce que
des temps de faveur, des temps de rafraîchissement. Là où le monde pleure, des temps de grâce seront manifestés sur l'Afrique. Amen. Amen. Tout ce qu'on voit, les crises, sont des soubresauts aujourd'hui, donc de prier Dieu contre les projets de coup d'État. Afin que ce que l'ennemi veut faire au travers n'ait pas lieu. Et que la prophétie, parce qu'on va savoir que quand Dieu vient vous donner des dévoilements, il faut aussi, je veux bien intercéder, il faut aller voir le futur. Pas te regarder ce mot dévoilement pour dire, oh, Dieu vient de dévoiler un projet du diable. Mais quel est le projet de Dieu? C'est ça qui nous intéresse. Amen. Parce que pour bien réparer la brèche, il faut que je la répare en fonction du plan et du projet de Dieu. Amen. Quel est le projet de Dieu pour le Burkina? Quel est le projet de Dieu pour le Mali? Quel est le projet de Dieu pour ces différentes nations africaines? Chaque nation a été conçue, planifiée pour un but. Nous devons prier. J'ai dit, pour mieux arracher ce que l'ennemi prévoit faire, il faut avoir une visibilité du futur. Que Dieu, à nous, prophètes, nous accorde de voir le futur de l'Afrique et des pays qui la concernent, de l'Europe et des pays qui la concernent, de l'Amérique et des pays qui la concernent. À Dieu soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 N'oublions toujours pas de continuer de prier pour Haïti. Dieu nous a dit que d'ici 2030, cette nation sera grande. Pour le moment, elle pleure. Et elle souffre des douleurs de l'enfantement. Église de Jésus, ne relâchons point. N'oubliez pas que Haïti est les prémices de l'indépendance des peuples africains noirs. Haïti est les prémices. Si les prémices sont souillées, tout le corps est souillé. Le diable s'acharne contre Haïti parce qu'il sait qu'en maintenant ce pays-là, sous les effets de la malédiction, il paralyse en même temps un grand nombre de peuples noirs. C'est pourquoi, n'oubliez pas Haïti. Haïti, c'est le symbole d'un peuple déporté, mis sur une île et mis sous esclavage, mais qui, très tôt, en fin des années 1700, a pu acquérir son indépendance. Et parlant avec le pasteur Greg, il nous avait montré comment, quand Haïti a été bâti, elle a été bâtie au nom de Jésus. Amen. Haïti a été bâti sous le vaudou. Amen. Et il a montré comment les héros de la révolution, les Toussaint d'ouverture et autres, étaient des pasteurs, étaient des chrétiens. Amen. Amen. J'ai vu au Libéria, qui est aussi un des pays prémices, que ceux qui ont bâti étaient des chrétiens et ils ont dédié les nations là à Jésus. Amen. Amen. A détourné cette voie-là pendant des siècles, toutes les années qui ont été volées sur Haïti, sur le Libéria, seront restaurés. Oh, parce que mes fils, dans la foi, Dieu m'a établi sur des nations et toi ici t'établis sur les nations. Amen. Afin que tu arraches ce que l'ennemi a semé dans ces nations et que tu plantes. Chacun d'entre vous, le pays dans lequel il se trouve, quand je vais continuer l'établissement divin, le repoussement, l'autorité va encore davantage descendre en vous et vous pourrez prier pour votre pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était la formation. Alléluia, la formation. Amen. Que Dieu te garde. Amen. 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 On va s'arrêter là. C'est parce qu'il y a des questions ou bien on peut se retirer. Il n'y a pas de questions, pasteur, c'est bon. C'est bon, ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. OK. Alors, pour le remplacement divin, j'ai dit à pasteur, je veux chercher... Pour un temps, pour l'église et pour la ligne, forme de 10 matinales de déblocage qu'on avait fait. Et pendant laquelle on va faire un travail particulier tous les matins, donc aux prières de, aux veilles de combat. Amen. Voilà, je donnerai plus d'amples informations la prochaine fois quand la période sera vraiment bien trouvée. Que Dieu vous garde. Amen. Amen. Voilà, tout est bon. Amen. Amen. Vous êtes bénis, tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. On reçoit. Alors, je vois parmi vous qui m'écoutez, après qu'une personne qui m'écoute, qui a une voiture,
Toyota Corolla, en tout cas, tu as une voiture, mais la couleur est grise. Demain matin, avant de prendre la voiture, déclare sur la voiture. Je ne sais pas comment, mais je vais venir s'accrocher sur ta Toyota. Tu vois la couleur est grise. Et c'est comme si tu, je ne sais pas, ce n'est pas un garage, comme si tu la gardes dehors. Et je vis un démon d'accident venir s'accrocher sur tes roues, de sorte que sur un des ponts, là, le pneu crève. Il y a quelque chose. Dans le nom de Jésus, je sors ce démon-là. Alors, je vois donc une Toyota de couleur grise. Quand elle serait donc demain, avant de la prendre, va, tu pries, tu mets l'onction d'huile, tu pries. Amen. Et établi, et que ce projet d'accident de ton véhicule soit annulé au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Ta voiture soit préservée. Que tout projet d'accident contre qui que ce soit soit annulé au nom de Jésus. Amen. Tout projet d'accident soit annulé au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Dieu. La paix du Seigneur est dans ta vie au nom de Jésus. Brikadari babrada slorianda brinda brada slorianda brada katalababa. Il y a une dame qui est là parmi nous. Son fils a été pratiquement premier dans toutes les matières en classe. Et il est premier. Et il va t'envoyer ses résultats. Rends grâce à Dieu. Moins lui d'huile et prie pour lui. Prie pour son intelligence. Prie pour lui. Amen. Premier pas. Amen. Prie pour lui. Que tous les yeux, tous les oiseaux de proie qui vont le regarder convoiter soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. 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 De l'église vase d'honneur du ministère, me servir par rapport à notre croisade, par rapport au pasteur, par rapport au leader, ce que vous le faites, mais continuez de prier pour nous. Amen. Voilà. Quand tu travailles fortement, il y a souvent aussi beaucoup de positions et de combats. C'est la guerre. Et en tant que tu es, priez pour moi, priez pour l'église, priez pour nos collaborateurs. Que Dieu vous garde, soyez bénis. Amen. Je vous laisse. Amen. Bon, amen. Merci, pasteur. Amen. Bon repos, papa. Amen. Amen.